Hello, j'espère que vous m'entendez. Oui. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va bien, merci. Je ne parlais pas. Je viens de commencer par parler. C'est pour ça que vous ne m'entendez pas avant. Il n'y a que 12 personnes. Téléphone, attends encore un peu. On attend encore quelques personnes pour... Bon, on peut patienter jusqu'à 19h10 pour continuer. Ok.
Ok, ça y est, c'est bon. Soyez tous les bienvenus à ce webinaire sur la visualisation des données avec Power BI présenté par Claudia. Et ravi de vous avoir ici. Donc, je laisse la parole à Claudia d'introduire le projet et puis de continuer. Merci à tous et bonne session. J'espère que vous me recevez. 5 sur 5. Ok. Bon, ce soir, je vais vous parler de Power BI. Comment créer des rapports tableaux de bord avec Power BI. Du chargement des données. De la transformation des données jusqu'à obtenir un tableau de bord. Voilà un peu. Donc voilà le plan. Il y aura l'introduction, une mini introduction à Power BI. Comment connecter les données à Power BI? Comment transformer les données, les types de données, les types de visualisation qu'on a dans Power BI? Un exemple de création de visuel, la démo et après la conclusion et une session de questions-réponses. Alors, qu'est-ce que Power BI? Bon, Power BI est une suite d'outils d'analyse de données développée par Microsoft qui permet de transformer des données brutes en informations visuelles pour permettre à des entreprises ou à certains groupes de pouvoir mieux prendre des décisions sur leur entreprise. Donc, les avantages à utiliser Power BI comme outil de visualisation. Donc, pour ce qui en est de l'utilisation, comme je le disais tout à l'heure, une entreprise peut décider d'utiliser Power BI pour analyser ses ventes, par exemple dans l'e-commerce, ou soit faire des suivis de performance sur certains critères donnés, et après suivre des opérations commerciales. Voilà un peu l'utilisation de Power BI. Pour les avantages, ça facilite, c'est très facile à utiliser, c'est assez intuitif. Et ça permet aussi de pouvoir intégrer d'autres produits Microsoft à cela. Donc, on a aussi la capacité à gérer de grandes quantités de données. Et aussi l'interactivité entre les différents rapports. Voilà. Pour ce qui en est de la connexion aux sources de données, vous pouvez utiliser plusieurs sources de données pour pouvoir à faire votre traitement ou votre visualisation avec Power BI. Donc, on peut utiliser un fichier Excel pour importer des données dans Power BI. On peut utiliser une base de données, par exemple, ici on a Postgres, on a MySQL et bon, bien d'autres, tout ce que vous voyez là. Donc, pour la transformation de données avec Power BI, la transformation consiste à faire quoi? Ça consiste à harmoniser les données, si je peux le dire ainsi. Bien harmoniser les données octroyées à chaque colonne de votre CSV ou de votre base de données, les bons types. Donc, et aussi pouvoir retirer des doublons ou des cases vides, des colonnes vides, par exemple. Parce que vous pouvez trouver des données où, bon, pas seulement des données, des colonnes vides, mais aussi les colonnes dont vous trouvez qui ne sont pas nécessaires à votre analyse, dont vous savez que vous n'aurez pas à l'utiliser, donc vous pouvez les éjecter de votre fichier. Donc, comme je le disais, il y a le retrait des doublons, il y a les modifications de type de données. Par exemple, souvent, il arrive que lorsqu'on importe les données dans Power BI, normalement, une colonne qui doit être en texte, par exemple, peut se retrouver à être en type texte. Du coup, avec la transformation, vous pouvez ramener le type normal
à la colonne. Donc, vous pouvez utiliser plusieurs sources de données et également faire la fusion. Donc, je peux décider de d'utiliser deux fichiers CSV si je trouve que mes informations sont dans des fichiers différents. Bon, je donne l'exemple des CSV parce que souvent, c'est ce que certaines personnes utilisent juste pour l'apprentissage et autres. Donc, si je trouve qu'il y a des informations dans différents CSV dont j'aurais besoin, j'importe ces deux CSV-là, je fais la fusion et après, j'essaie d'éliminer les colonnes dont je n'aurais pas besoin. Voilà un peu pour la transformation. Les types de visualisation. Donc, d'abord, il y a plusieurs types de visuels. On peut décider d'utiliser des cartes et des cartes ou des graphiques, soit des tableaux. Bon, il y a à ce niveau, souvent, il faut faire très attention. Il faut savoir quel type de visuel utiliser pour tel traitement ou en fonction du résultat que je veux avoir. Donc ici, on donne l'exemple de la comparaison au niveau des catégories. Donc, on dit que pour la comparaison des catégories, un graphique à barre serait plus intéressant à utiliser. Et pour des graphiques en secteur, on peut utiliser pour pouvoir voir les parts de marché, par exemple, ou lorsqu'on a des données où il y a plusieurs pays, je peux décider de voir quelles sont les quantités ou les valeurs que j'ai en fonction de chaque pays. Là, j'ai un cercle. J'ai un cercle où il y a les différentes parts et les noms des différents pays. Donc, à côté, sur la photo qui est à la droite, il y a des graphiques à barres, il y a des noms qui ne seront pas trop voir. Il y a des jauges aussi. Il y a des cartes à utiliser pour pouvoir faire la localisation de zones et zones géographiques et bon, plein d'autres. Maintenant, on va passer à la création d'un visuel. Bon, là, ce sont les étapes pour créer un visuel. Je pense que je ne sais pas si ça serait mieux après d'aller faire la démo en. Bon, là, je vais juste parler de ça et lors de la démo, on va faire toutes les étapes et vous verrez. Donc, là, pour la création d'un visuel, il y a la partie, il y a des menus dans Power BI où on choisit le visuel qu'on veut et on essaie de raccorder à cela les données qu'on va afficher. Bon, maintenant, pour la construction d'un tableau de bord, en fait, un tableau de bord, c'est maintenant l'assemblage des visuels. Par exemple, si je prends un graphique à barre, c'est un visuel. Si je prends un graphique à secteur, c'est un visuel. Maintenant, lorsque je vais assembler tous ces visuels-là et les mettre sur une page, c'est là qu'on parle de tableau de bord. Donc, un tableau de bord nous permet d'avoir une vue d'ensemble de nos données sur une page donnée. Voilà. Pour l'interactivité, les filtres, l'interactivité, c'est de pouvoir dire que sur mon tableau de bord, lorsque je clique sur ceci, je veux seulement avoir les données de ce que j'ai cliqué. Par exemple, si je prends un segment aussi, c'est un type de visuel. Donc, je pose un segment. Et pour ces segments, et au niveau des segments, ça permet de faire des filtres. Donc, je décide de filtrer par date, par exemple, ou par pays. Donc, je dis que lorsque je clique sur un pays, je veux voir quelle quantité de ventes j'ai fait dans ce pays-là. Quelles sont. Comment je vais dire? Bon, en gros, pour pouvoir voir les quantités. Donc, en fonction de ce que j'ai mis sur mon tableau de bord, lorsque je clique sur ce visuel-là, ça va m'afficher les informations concernant l'élément que j'ai choisi. Voilà un peu pour les filtres et l'interactivité. Donc, l'interactivité, c'est la communication entre les différents visuels posés sur ma page qui est mon tableau de bord. Et les filtres, comme je l'ai dit, on peut décider de filtrer par date, par pays ou en fonction de ce que vous voulez faire pour. Vous utilisez ça. Il y a un truc important que j'aimerais noter aussi. Lorsque vous trouvez vos données, il faut connaître ce que vous voulez faire avec ces données-là. On parle souvent d'insights. Insights, c'est par exemple
les paramètres ou je vois le mot m'échappe en français, mais quand lorsqu'on parle ce que j'aimerais avoir, ce que j'aimerais étudier. Donc, lorsque je trouve mes données, j'essaie de voir qu'est-ce que je veux avoir de ça, si ce sont les ventes par pays ou le taux d'augmentation de mes ventes en fonction des régions et autres. Donc, vraiment définir les paramètres ou les insights de mon étude sont très importants pour aboutir à un tableau de bord vraiment, vraiment, vraiment important, vraiment parlant. Voilà. Donc là, on passe au cas pratique. Je vais venir là. Donc, lorsque j'ouvre mon logiciel Power BI, le Power BI Desktop, Power BI nous permet aussi d'avoir des visuels sur le téléphone via la partie mobile aussi. Ça, c'est le desktop. Donc, je viens là et je viens sur fichier. Non, pas sur fichier, mais déjà sur la page là, il y a importé les données. Donc, il y a importé les données à partir d'Excel, d'une base de données SQL Server et autres. Maintenant, moi, je vais importer un fichier CSV. Du coup, je viens là. Je viens sur l'accueil. Je fais obtenir les données. Et maintenant, si ce sont les données, si mes fichiers sont en CSV, je prends CSV. Si c'est autre chose, j'essaie de voir dans la liste. Et voilà. Je choisis. Donc, moi, je vais choisir CSV. Et là, j'ai mon CSV sur les chaînes YouTube dans le domaine de la data science les plus suivies, si on peut les dire ainsi. Donc, en fonction de ce que je vais faire, on verra quelles sont les chaînes les plus suivies, qui a plus de vues, qui a plus de likes, qui a plus de vidéos et qui parle d'une vidéo en fonction d'un thème donné. Donc, là, je choisis un fichier. Et voilà. Donc, c'est ici. Je décide si j'essaie de visualiser d'abord les données que j'ai en face de moi, les colonnes. Si c'est bon, je clique sur charger. Mais si c'est pas bon, je trouve qu'il y a quelque chose et je clique sur transformer. Ce que je vous conseillerais, c'est de toujours aller se transformer et d'être vraiment rassuré que vos données sont en bon état ou sont comme vous voulez. Donc, je clique sur transformer. Donc, là, je vois les noms des chaînes qui sont en texte. C'est déjà bon. Je vois les titres des vidéos qui sont en texte aussi. C'est bon. Les dates de publication qui sont en format date. Ça aussi, ça me va. Donc, si je clique sur ça, je verrai ici. La date. Ça me va. Il y a la partie view. Là, je vois que view, ce sont des chiffres, mais je l'ai en texte. Du coup, je clique sur la colonne là, comme ça, et je viens. Là, au niveau du type de données, d'abord, je viens se transformer. Et puis, je verrai le type de données. Ici, je vois que c'est un texte. Or, moi, je le veux en chiffres. Donc, je clique sur nombre de vues. Je clique sur nombre d'entrées. On me demande si je vais ajouter une étape ou je vais seulement remplacer. Et l'élément actuel, je prends l'élément actuel. Et ça va me sortir erreur.
Quand vous voyez erreur, ne sautez pas trop. Avant, moi, je sautais, je commençais à paniquer. Je dis, c'est quoi erreur? Je fais rapidement retour pour pouvoir retrouver mes valeurs d'avant. Du coup, là, lorsque je viens, normalement, la ligne verte là doit s'afficher en rouge et je clique là-dessus pour pouvoir avoir mes types de données. Mais des fois, ça ne vient pas vite. Je ne sais pas si les gens ont d'autres moyens de le faire, même pour moi, c'est ce que j'ai dit. Après, vous me direz si vous avez d'autres moyens de transformer les données directement sans avoir d'erreurs ici. Je vais tester. Okay. Je viens de juste supprimer les erreurs. Souvent, là, ça supprime Karma tout et ça laisse seulement quelques éléments. Du coup, ce que moi, je fais souvent, je prends mon fichier CSV, je l'ouvre dans Excel, j'essaie de faire la transformation là-bas et après, je viens simplement ouvrir dans Power BI, les importer et essayer de faire ce que j'ai à faire, quoi. Particulièrement sur ceci, bon, je vais prendre un autre jeu de données. J'avais déjà été avec ça. On va faire un petit truc comme ça. Okay. C'est ce que j'ai travaillé. Après, je vais vous montrer le résultat final. Là, c'est essayer de revoir les étapes de création pour ne pas perdre trop de temps. Donc, c'est transformé. Le but de la transformation, c'est de ne pas avoir de fausses informations ou de ne pas faire de faux calculs lors de la création des visuels. Parce que si tu laisses une donnée en texte et que tu veux faire une somme, par exemple, ça peut te sortir des erreurs, Karma, ça va te dire que le type n'est pas correspondant ou plutôt au lieu de ça va te faire un compte, des trucs comme ça. Donc, c'est le but de la transformation. Voilà, ici c'était un texte, donc j'ai ramené ça en numérique. On fera la même chose ici. D'abord, c'est un texte. Du coup, je fais cliquer pour ramener ça. C'est bon. Les régions en texte, c'est bien. La méthode de paiement en texte, ça aussi, c'est bon. Donc, je revérifie. Je vois que mes colonnes ont les bons types que je veux.
C'est ok. On a il y a celui-ci qui laisse les unités en tête. Je ramène aussi là-bas. Non, français. Et c'est donc j'ai ramené mes colonnes au type dont je voulais. Donc lorsque c'est bon, je reviens à accueil et puis je fais fermer et appliquer. Je fais fermer appliquer. Donc, ça va me chercher les données. Et là, j'ai mes données qui sont chargées. Voilà pour ce qui en est de l'importation et la transformation des données. Maintenant, pour la création d'un visuel, par exemple, je peux décider de prendre un segment, voilà, qui est un peu comme un fil, là, et je décide de mettre là-bas soit les catégories, soit la date, ou ouais, soit la catégorie, soit la date ou la région. Donc, si je clique sur catégorie, là, j'aurai les différentes catégories que j'ai dans mes données. Donc, ça, c'est un visuel. Et pour les paramétrages d'un visuel, pour la vue, par exemple, si je peux le dire ainsi, le design, je peux venir là. Et faire les réglages nécessaires, décider d'augmenter le comment on appelle la police, changer de police, mettre ça en couleur, tout ce que je veux. Là, je le fais au niveau de cet onglet. Voilà. Je vais vous montrer le résultat final. Là, c'est vraiment pour expliquer. Donc, ça, c'est un visuel. Donc, si je décide d'ajouter un autre visuel, par exemple. Un graphique à bas, par exemple. Et pour le graphique à bas, je décide de prendre. Bon. Donc, pour le graphique là-bas, comme l'indique, il y a la partie X, il y a l'axe X, il y a l'axe Y. Donc, je décide de. Donc, voilà un peu. En X, j'ai le total des revenus et en Y, j'ai les régions. Donc, j'essaie de voir dans quelle région on a plus de revenus. Voilà un peu. Et là, si je clique par exemple sur les éléments, la catégorie de l'électronique, on voit que c'est plus dans le nord de l'Amérique qu'on a plus d'éléments électroniques vendus. Et si je clique sur, par exemple, les habits. On verra que c'est plus en Asie. Donc, voilà un peu. Maintenant, si je décide de prendre un graphique en secteur et j'essaie de prendre les méthodes de paiement les plus utilisées lors des différents achats. Du coup, méthode de paiement en légende et
Comme tout à l'heure, je mets aussi les revenus là-bas. Donc là, vous verrez que c'est vous ne voyez qu'une seule valeur parce que j'ai cliqué, j'ai la partie des filtres qui est active. Plutôt. Là, je suis sur les habits. L'autre, je vais enlever ça. Vous verrez les différentes parts de méthodes de paiement, le revenu qu'on a en fonction des différentes méthodes de paiement utilisées. Donc, lorsqu'on assemble tous ces visuels-là sur une page, on parle de tableau de bord. Voilà un peu. Donc, lorsque je le fais, je peux décider en fonction des insights, comme je le disais, en fonction des insights, si j'ai assez d'insights, je peux décider de les faire sur des pages différentes. Ou si je n'ai pas assez d'insights, je le fais sur une seule page. Donc, lorsque tu finis ton truc et que tu veux partager avec d'autres personnes, tu viens juste là, tu fais partage et puis bon, on te demandera les informations de ce dont tu peux envoyer. Ou carrément, si tu veux mettre ça sur le Power BI Service en ligne, tu cliques sur publier et normalement, on va te demander si tu veux le publier sur ton workspace ou autre chose. Donc, je vais vous montrer ce qu'on obtient dans la partie de Power BI Service. Donc, voilà ce que j'avais fait, ce que j'ai publié. Du coup, là, la dernière fois, il y avait quelqu'un qui avait parlé des signes et tout. Donc, c'est un peu tout ce qui concerne la navigation sur le rapport. Donc, si j'essaie de cliquer sur menu ici, ça va me ramener sur cette page-là. J'ai mes pages. J'avais assez d'insights, du coup, j'avais ça sur différentes pages. Donc, j'ai le menu là. Et bon, je peux essayer de naviguer comme je veux. Donc ici, j'ai une page sur la vue d'ensemble des ventes. J'ai une page sur l'analyse des produits par région, une autre sur l'analyse des méthodes de paiement et l'autre sur l'optimisation de l'inventaire et du marketing. C'est-à-dire, la partie-là, c'est plus la partie où on va vraiment prendre des décisions sur quels sont les produits les plus vendus. Si, par exemple, on aimerait refaire du stockage. Donc, on sait que dans cette région, il y a plus ceux qui achètent. Du coup, ils vont vouloir voir quels produits acheter pour ne pas aller à l'aveugle et prendre des trucs qui vont rester dans le stock sans qu'ils puissent les vendre. Du coup, si je vais sur vue d'ensemble, on a là un graphique à ligne. Et bon, lorsque je clique sur là, c'est sur les produits de beauté. On essaie de voir, on voit qu'en mars et en juillet, on a des pics. Donc, ça veut dire que c'est en ce moment-là que les gens aiment plus acheter. Là, il s'agit du côté analyse, hein, l'analyse de ce que j'ai, de ce que je vois. Donc, ici, on a la partie, les pics. Donc, ça veut dire que dans cette période-là, voilà les produits les plus sollicités, les plus achetés. Et en même temps aussi, on voit dans quel mois il y a moins d'achats. Voilà un peu. Pour ce qui concerne les catégories côté vente. Là, au lieu de chercher à revenir en arrière sur le menu, j'ai là un bouton que j'ai configuré qui me permet d'aller sur la page suivante. Ouais, la flèche en rouge là qui me permet d'aller sur la page suivante. Donc, la seconde page sera l'analyse des produits. Et sur chaque page, j'essaie de mettre un menu. Cas où je veux directement retourner au menu, je clique juste là et ça me ramène au menu. Donc, l'analyse des produits ici, on a ici un graphique à barre en bleu et une cartographie qui nous permet de voir les zones géographiques où l'étude se fait. Donc, si je clique là, on a la vue globale. Maintenant, si j'essaie de cliquer sur Europe, on aura là, ça va bien me préciser la zone et on aura les régions et les revenus.
en fonction des éléments qu'on a dans le lorsque j'essaie de survoler, on a la région, on a la catégorie du produit et on a le revenu que ça nous affiche. Donc, et comme je le dirais, l'interactivité, lorsque je sélectionne Europe, directement les autres aussi se modifient et essaient de se mettre en conformité avec ce que j'ai cliqué. Donc, si je reviens là, vous voyez qu'on a les catégories, mais lorsque je clique, on a seulement ce qui concerne l'élément que j'ai cliqué. Voilà pour l'interactivité et la navigation. Donc, si je vais sur la page, je vais aller sur la page suivante. Je clique là et ça me ramène sur la page suivante. Donc, voilà un peu en gros ce qui concerne l'utilisation de Power BI, ce qui concerne la création des rapports de tableaux de bord. Voilà. Voilà, je ne sais pas si je vais revenir au PowerPoint pour. Donc, pour le cœur calculatif, on a d'abord les sources de données où je vais prendre mes sources de données, comment je les prends et tout. Apprendre la transformation, ces données-là, est-ce qu'ils sont en bon état, est-ce qu'ils sont comme je veux? Et si ce n'est pas le cas, j'essaie de les transformer, après je les charge. Et la partie BIA, si on suit BIA, c'est tout ce qui concerne la création des visuels et le rapport. Ouais. Tout ce qui concerne la création de visuels et du rapport. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Place aux questions, aux ajouts, aux apports, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup. Merci, et Claudia, pour la présentation. Il y a une question, je ne voulais pas interrompre la présentation, c'était très top et je voulais que ça continue du coup. Il y a une question dans le chat de Monsieur Dapan qui disait qu'il n'avait pas suivi depuis le début. Je pense que c'est lorsque tu amenais le fichier Excel pour importation et il demande si est-ce que c'est possible de faire un select où il faut faire un à un, table par table. Pour la transformation des données ou pour l'importation du fichier des données. Je pense que c'est pour la transformation des données. Si Monsieur Dapam est toujours là, il peut. Est-ce qu'il est là? Je pense que c'est pour la transformation. Oh, ok, Non, importation des données. il dit pour l'importation. D'accord. Donc, c'était lors de l'importation. Lors de l'importation, ça, je ne l'ai pas essayé. Je n'ai pas essayé d'importer plusieurs fichiers en même temps, mais normalement, je pense que. Oui, comme je l'ai dit, je n'ai pas essayé d'importer plusieurs fichiers, mais je pense que normalement, ça doit pouvoir le faire. Parce que lors de la transformation, j'avais mes deux fichiers, celui que j'avais importé premièrement et bon, celui que j'ai importé en seconde position. Donc là, du coup, quand je prends un type de données que ça ne figure pas, il y a autre chose. Donc, je pense que je vais laisser, comme pratique, je vais laisser à monsieur, celui qui a posé la question, d'essayer de nous faire un retour dans le groupe, s'il est dans le groupe des MLSA. Ça serait une bonne chose. Je pense que je ne sais pas où je vais.
Il y a également une question de la part de Monsieur Washio Buraimo. Mais le micro est activé actuellement pour Monsieur Dapam. Si vous pouvez étaler les questions pour pouvoir avoir plus de. Là, actuellement, j'essaie de porter. Là, actuellement, j'essaie d'importer les deux fichiers, mais ça ne me laisse pas la main d'importer les deux fichiers CSV en même temps. Lorsque je clique sur un et que je reviens faire CTRL et je clique sur l'autre, ça désactive le premier que j'avais sélectionné. Du coup, ça dit que je vais être obligé de l'importer un à un, je pense. Lorsque je fais CTRL, clic, ça désactive l'autre. Alors, d'après ce que je comprends au niveau de la. Oui, oui, exercice de maison. Fichier, celui on veut importer sur une table, c'est en fonction de cette table-là qu'on peut importer la donnée. On ne peut pas importer deux fichiers Excel sur une même table au niveau de Power BI, il me semble bien. Au moins, est-ce que les configurations sont différentes? Il y a les experts également dans le groupe. Vous pouvez tout simplement lever la main et vous allez avoir l'autorisation de discuter, donner vos plus en plus de vos plus. N'hésitez pas, hein, des ajouts, si vous avez d'autres choses à ajouter pour plus d'éclaircissement, des questions et autres. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok. Par rapport à la question de M. Dapam, ici, qu'est-ce que je vois? Je vois, il demandait, lors de l'import, il propose la sélection des tables sur lesquelles on veut travailler, n'est-ce pas? Parce qu'on veut importer un fichier. Je n'ai pas bien suivi, tu peux reprendre, s'il te plaît. Lors de l'importation du fichier, le fichier qu'on veut utiliser pour pouvoir faire correctement la visualisation. Dans Power BI, ça nous propose des tables sur lesquelles on veut travailler, n'est-ce pas? Proposer des tables après l'importation? Je pense que lors de l'importation. Ou peut-être après, parce que lorsque tu importes le fichier, c'est là que tu définis la table que tu veux utiliser. Pas la table, mais les colonnes qui se trouvent dans ton fichier. Voilà. Maintenant, ça te propose. Et si tu veux faire, je vais essayer là. Bon, je reprends ceci. Après, je vais annuler. Donc, ça me propose là, j'ai les différentes colonnes qu'il y a dans mon fichier et je viens sur transformer. Lorsque je viens sur transformer, soit je décide d'éliminer les colonnes dont je trouve qu'ils ne sont pas nécessaires à mon étude, soit j'essaie de voir si les types correspondent bien aux données que j'ai dans mon fichier. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Le micro est activé. Ok. Troisième question, je dirais. L'outil libre actuellement est Power BI. J'ai vu que vous utilisez Powerflow. Est-ce que c'est free? Powerflow? Mm,
Monsieur Dapam, c'est quoi paraflot? Parce que moi, je n'ai pas vu paraflot quelque part ici. Hein. Ou bien C'est vrai, peut-être bien. que... Là, c'est pas bien desktop sur mon ordinateur. Bon, je pense qu'il est, il est un peu occupé aussi ailleurs. Du coup, on va passer en attendant. On va lui revenir juste après. Il y a une question qui était passée inaperçue là ici. J'ai appris qu'on pouvait utiliser les Python dans Power BI. Est-ce vrai? Ça, c'est la question de Washi Oboleyman. Est-ce qu'on peut utiliser Python dans Power BI? Je n'ai pas essayé, mais je non, je ne l'ai pas essayé. Ouachi, tu peux nous en dire plus? Je sais pas. Sûrement quelque part pour plus de détails, des requêtes et tout. Là, ici, je ne l'ai pas essayé, mais je sais que dans, par exemple, je ne sais pas, pour ceux qui utilisent Looker Studio, je sais qu'avec Looker, ça nous permet de mettre des requêtes nous-mêmes, des trucs personnalisés, par exemple, au niveau des filtres, ça, c'est avec Looker, ça. Mais ici, avec Power BI, je n'ai pas essayé de faire, de manipuler ça trop avec des trucs personnalisés. Tout ce que moi, bon, ce que moi, je fais souvent, c'est juste importer mes données et essayer de travailler. Si vous voulez nous en dire plus, ça serait bon. Ok, d'accord. Je pense que... Ok. Ou bien celui qui parle de Flow, lorsque j'ai lancé le Power BI en ligne, le Power BI service, il y avait un truc de F façon, je pense que c'est de ça la personne parle en disant que c'est Flow. Mais là, actuellement, j'ai Power BI desktop sur mon PC que je travaille avec. L'autre, c'est pour Ah, la et dit publication, voilà. lorsque. Monsieur Dapam, le micro est activé. Tu peux parler. Bon, ok. Ce n'était pas Powerflow, mais c'était quoi, Claudia? C'était juste un C'est logo de le Power chargement, n'est-ce BI, pas? oui. D'accord. On a une autre question dans le chat. Alors, Monsieur Kokusoko est en train de poser la question. Je voulais savoir si Power BI seul joue le rôle de ETL. Merci. ETL. ETL stands for what? Extra, transforme et puis load. Oui. C'est le processus que j'ai suivi là. Donc, si je Mais après. comprends bien, et Power BI seul peut servir de ETL pour pouvoir transformer vos données et les manipuler à votre guise pour pouvoir prendre des décisions que vous voulez, en fait. Oui. Après D'accord. aussi, il y a vraiment des outils dédiés à l'hôtel. Bon, d'autres outils. Je ne sais pas si vous connaissez Talent. Il y a Talent qui permet de faire de l'hôtel aussi. Oui. Ok, il n'y a pas d'autres questions actuellement. Bon, il n'y a pas d'autres questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ou bien lever la main. Levez la main tout simplement. Je vais activer le micro pour les personnes. J'ai activé, mais il dit qu'il ne voit pas le micro. Ok, d'accord. Donne-moi quelques secondes.
Ah, tu étais parti, tu es revenu. Maintenant, c'est bon. Oui, je suis revenu pour voir si c'est mon micro qui déconne. Non, je l'avais activé avant. D'accord, merci. Maintenant, c'est bon. Donc, vous pouvez y aller. Voilà. Lors de l'importation du fichier, bon, ou bien lors de lorsqu'on importe des bases de données, on a les tables qui constituent la base de données qui s'affichent lors de la première fenêtre, en fait. Lorsque vous importiez votre fichier, je n'avais pas vu ça, c'est ce que je demandais. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que sur la page, moi je suis novice dedans, hein, sur la page, ça me demande de sélectionner les tables. Et quand je sélectionne les tables, on me donne les tables une à une. Je demandais si c'était possible de faire un select all au lieu de passer le temps à sélectionner les tables. Imaginez plutôt que moi, mon fichier, par exemple, mon application a, par exemple, 20 tables. Je ne peux pas les sélectionner une à une, en fait. C'est ce que j'aimerais voir. Si peut-être c'est moi qui fais mal, ou bien comment ça se passe avec Power BI. C'était Vous ça. utilisez quelle source de données? Genre, c'est une base de données et un fichier Excel ou un fichier CSV? J'ai un fichier SQL. Ah, ok, je vois. Avec, bon, je n'ai pas l'habitude d'utiliser les fichiers SQL, c'est plus les CSV et les fichiers Excel. Là, vous dites que vous êtes présentement dans votre logiciel Power BI, c'est ça? Pardon, je suis en mode test de Power BI. Oui. Et quand vous sélectionnez le fichier, votre fichier, est-ce que ça vous demande de sélectionner les tables, c'est ça? Voilà. Et lorsque vous avez essayé de prendre de tout sélectionner, ça vous sort quoi comme... Non, ça, on ne peut pas, je ne peux pas tout sélectionner, je suis obligé de sélectionner un à un. Ok, je vois. Un peu comme la sélection des fichiers ici aussi. Voilà. Lorsque j'ai essayé de sélectionner plusieurs fichiers, ça ne me donnait pas la main. Charger plusieurs fichiers d'un coup. Oui. Non, je n'ai jamais essayé ça. Alors, c'est une question que je pose. Et souvent, quand on connecte le Power BI à une base de données externe, surtout pour entrer un peu dans l'automatisme, dès que la base de données est mise à jour automatiquement, les graphes changent. J'ai remarqué aussi que c'est en ce moment, il faut décharger les tables une à une. En fait, c'est ce qui est fastidieux pour moi. C'est pourquoi je Ok, posais la question. je comprends. Ok, je vais essayer Et... voir. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser les fichiers de base de données. Je vais essayer voir ce que j'aurai comme résultat. Disons que ça sera un exercice. L'autre outil avec le logo F, est-ce que c'est ouvert ou bien c'est sous abonnement cloud avant qu'on l'ait en fait? Je vois que là-bas aussi, on peut Ah. automatiser l'interface à permettre aux utilisateurs de cliquer sur un bouton pour avoir un type de résultat. En fait, c'est sur la page que je suis actuellement. C'est le Power BI en ligne. Power BI Service. OK. C'est sur ça que je suis actuellement. OK. Donc, on ne peut pas faire les mêmes configurations à utiliser les boutons en mode Power BI Desktop. C'est-à-dire, je n'ai pas bien compris C'est-à-dire la que question. avoir les mêmes points, par exemple, ici, vous avez par exemple menu, qui vous permet de retourner au menu, de faire les Oui. mêmes gymnastiques sur Power BI, quoi, en fait. Oui. Vous avez, ce n'est pas tous les clients actuellement qui ont les moyens de prendre le cloud. Donc, on veut utiliser à outrance le desktop, en fait. Donc, je me demandais si Je j'ai vois, vu je vois, votre config qui est vraiment joli là, en fait. Je voulais demander si c'était possible de faire ça avec du desktop au lieu d'aller sur le cloud, en fait. Non, en fait, je vais ouvrir le desktop, le fichier que j'avais utilisé un instant. Je vais importer. C'est ça. En fait, je l'avais fait sur mon Power BI Desktop avant de le mettre en ligne. Du coup, je peux facilement naviguer avec les mêmes boutons qu'il y avait de l'autre côté, aller sur le menu et tout. OK. Donc voilà.
voilà le, la page de menu. Donc là, le problème, ben, pas un problème, mais il y a la manière de naviguer qui change avec le desktop. Là, on me dit de faire contrôle-clic, alors que si c'est en ligne, je clique, je retourne, et puis ça m'amène sur la page. Là, je vais faire contrôle et puis cliquer pour que ça m'amène sur la page de vue. Okay. Ça, c'est avec le Babia desktop. Voilà. Donc ici, tu es obligé de faire le contrôle avant de cliquer sur l'hyperlien. Ok. Oui. Ah, il y a du boulot. Merci, hein, c'est excellent. Merci bien. Je vous en prie. Maintenant, après tout ceci, ce sont des boutons, hein, qui sont configurables ici aussi. Donc, si je clique sur ça, voilà le format, ça m'ouvre l'onglet format et il y a les configurations à suivre. Donc là, comme type d'action, ça sera la navigation entre les pages la destination. Par exemple, lorsque je clique sur ce bouton, où est-ce que je veux que ça m'amène? Donc, je mets le nom de la page. Donc, au niveau des destinations, j'aurai les pages que j'ai créées et je choisis juste la page où je veux y aller avec. Je vois, je comprends ça. Mais c'est-à-dire que si je, par exemple, le fichier Lacan, je configure et je fais l'export, j'envoie à un client, par exemple, j'envoie à un client, il va cliquer par méga sur une partie config, au fait. Là, je ne sais pas comment faire la sortie pour que les boutons là soient... Ok, soient... je vois. Voilà. C'est ça qui m'a poussé à voir l'autre là, le F là, le logo avec F là, pour dire si c'était faisable au fait. Ok. Je veux voir un truc, j'avais fait un escroc. Là, c'est juste. J'avais essayé juste de faire un effort en fichier PDF. Les liens sont pas fermés. Ok, je ferai après. Je comprends ce que vous dites. C'est-à-dire que si je vais envoyer ça à un client, je l'envoie pour qu'il n'ait pas accès aux onglets de configuration et pouvoir rester toujours, pouvoir naviguer là-dessus. Voilà. Ok. Voilà. Okay. Sinon là c'est en ligne actuellement, c'est en ligne, donc il n'aura pas accès à ça sauf s'il va cliquer sur Edit par exemple. Voilà. Et là tout ce qu'il peut faire c'est cliquer ici. Bon après okay. Aussi les dashboards et tout c'est seulement en interne, bon si on peut le dire ainsi, aux décideurs, si je peux les appeler ainsi. Accès à ça. Maintenant, après, lorsqu'on partage aussi, on ne donne pas les dites, on laisse jouer, on laisse juste en mode lecture. Oui. En fait, dans mon cas, là, je vous explique vraiment ce qui se passe. C'est qu'on a une base de données online, en ligne, avec du PostgreSQL. Maintenant, avec l'IP de la base de données, on peut se connecter à Power BI et faire les configs. Maintenant, le client de l'autre côté qui reçoit nos fichiers, les sorties comme application, comme faisait avec Excel, tout ça là, lui pouvait automatiquement mettre la base de données et puis pouvoir utiliser son instance, au fait, pour pouvoir voir les données, les fluctuations des données. Donc, c'est ce qui m'intrigue. Au lieu de partir directement sur le cloud, bon, on cherchait une solution un peu plus allégée, au fait. Bon. Ok, je vois. Oui. Là, ça devient un exercice à nous tous. Allô? Je t'assure. Bon, oui, oui. Oui, bon, bonsoir. Je ne sais pas si c'est Ukiva ou bien Tonja dit Dapam. Non, c'est Ukiva, il faut dire Ukiva. Ukiva, d'accord. Bon, je vais essayer de répondre un peu à ta problématique. En fait,
Bon, séparons un peu le sujet en deux parties. Donc, il y a la partie développement et la partie consommation des rapports. Donc, dans le Voilà. desktop, ce qui est prévu, c'est que le desktop, c'est uniquement pour la conception, pour développer les rapports. Donc, le client final qui va l'utiliser, normalement, on ne lui partage pas le PBX. Normalement, non. Maintenant, dans ton cas, c'est qu'il n'y a pas peut-être bon, un budget pour prendre une licence par BI Service. Donc, la solution, ou bien l'alternative que je peux te proposer, c'est par BI Report Server. Donc, si vous avez une VM, vous pouvez installer ça dessus et peut-être charger les rapports PBX là dessus et vous pouvez planifier la mise à jour des rapports. Donc après, tu peux regarder par BI Service et par BI Report Server. Donc, il y a une possibilité gratuite de l'utiliser. Donc, je pense que ça peut vous aider à adresser le problème là. Ok, merci. Non, je... Je devrais Merci pour tester ça. l'intervention. Et t'as su, il y a des capés parmi nous ici. Yes. Il y a la question de Washi aussi qui est intéressante en parlant de Python sous pas bien en fait. Merci bien. Oui, j'avais répondu à ça. Pour Power BI avec Python, ça aussi je ne l'ai pas utilisé. C'est, je dirais, c'est plus avec. Alors, je ne sais pas si Monsieur Conca Exact. a des expériences là-dessus pour partager avec nous. Oui, bon, parlant de Python, effectivement, c'est possible d'utiliser Python et R. Donc, il y a les deux possibilités. On peut utiliser Python ou R pour créer des visuels personnalisés. Bon, je prends l'exemple où vous avez, je sais pas, je prends un box plot, par exemple, les boîtes à moustache qui ne sont pas disponibles dans le. Bon, dans la liste de visuels par défaut. Donc, si vous voulez faire des trucs très personnalisés, donc vous pouvez. Donc, par exemple, là, si tu viens, je pense que pour Python, il faut. Voilà, donc tu as le Python qui est disponible dans tes visuels, là. Donc, quand tu cliques dessus, il te Ah donne la oui, table ici. comme un data frame. Voilà. Et tu peux, avec Yeah. Matplotlib, créer ton graphique. Maintenant, si c'est avec R, tu peux avec ggplot créer ton graphique qui va s'afficher voilà, dans le rapport aussi également. Okay. Merci beaucoup. Bon, je vous en prie. Bon, je vous ai mis le lien de Power BI Report Server là, donc pour regarder si vous avez. Bon, par exemple, moi, on l'a utilisé. Pour adresser un peu un problème de licence. C'est-à-dire, il y avait des licences, mais il y avait beaucoup d'utilisateurs et il n'y avait pas assez de licences. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on nous a donné une VM dans sur laquelle on a déployé ça. Et là, tu peux charger les rapports. Bon, l'interface vient aussi web, tout ça. Donc, tu peux charger les rapports et après, vous donner des droits de lecture au client. Et derrière, vous pouvez planifier l'actualisation des données dans le rapport. Comme ça, quand la base de données est à jour, le rapport aussi s'actualise sans que vous interveniez. Comme ça, le client, lui, vient simplement pour consulter le rapport. Enfin, il n'a pas accès aux options de configuration. Il pouvait changer, là, il n'a plus accès à ça. Bon, voilà un peu. Merci. D'autres questions, des ajouts?
là, s'il y a plus d'autres questions, je pense qu'on va arrêter. Merci à tous ceux qui ont pu suivre. Merci à vous et merci à Monsieur Konka pour les ajouts. Merci Muriel. J'espère que vous avez aimé. Moi, Oui, je ne suis qu'une débutante, s'il vous plaît, du coup. plus d'action de femmes, hein, plus d'action de femmes, pardon. Dimanche comme ça, c'était super, en fait. Merci bien. Merci à vous. Ok, merci à tout le monde, c'est super top. On se donne rendez-vous la prochaine fois. Félicitations à notre cher ingénieur qui a présenté Power BI et tout. Merci beaucoup là, bonne soirée, passez une bonne soirée, bon début de semaine à tous.